Vous restez combien de temps à Istanbul? 3-4 jours. Et donc après, c'est quoi? Izmir? Je sais pas. Bon voyage. Tu sais, c'est pas l'endroit qui compte, hein. C'est d'être utile. Amuse-toi bien. Donc t'es le seul à pas être au courant, comme d'hab. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, Sylvain, l'infirmier. Sa femme s'est barrée en Turquie, avec son fils. Ton fils est toujours là-bas? Il pourrait pas aider? Elle a complètement pipoté. Maintenant, elle est là, quelque part avec son môme. Ok, et du coup, hop, magie, tu te souviens que t'as un fils? Est-ce que la nana lui envoie une photo entre-temps? Une, mais bon... Copie les coordonnées GPS dans Google. Ça dit quoi? On l'a localisé. C'est vrai. Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. Officiellement, on n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. C'est un trop gros merdier. C'est dur, mais il faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas, qui se rendent compte que la réalité est pas là à hauteur du prospectus, et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule. Le petit, c'est bien, faudra le former. Il pointe là, pointe là. Sylvain, j'espère que tu m'entends. Mais on est à Raqqa et j'ai besoin d'aide. Je vais aller taper directement au ministère. Oui, mais la Syrie, on peut rien faire. Mais vous foutez de nous? Je voudrais juste poser une question. Vous pouvez nous aider ou pas? Je suis syrien, je voudrais la vie politique en France. Débrouillez, c'est toi la DGSE? Ce que tu fais nous intéresse. Les réseaux à Raqqa. Il y a 120 km, plus des patrouilles. Et la frontière, je l'ai passée. C'est très risqué. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Bah, trouver l'argent, déjà. Vous savez qui vous avez chopé? C'est un héros. Bah, ça se trouve, elle est en train de nous trahir. Maintenant, à plus! Tu te rends compte que si ça merde, tu as deux morts sur les bras?